Bonjour à tous et bienvenue à notre présentation sur le Crazy Fly. Nous sommes BitCraze et nous venons de Suède. Mon nom est Marcus, voici Eno, Arnaud et Tobias. Comme on nous a demandé de faire la présentation en français, je vais faire de mon mieux. Mais si vous avez des questions, gardez-les pour la fin et Arnaud pourra y répondre. Pour commencer, je pense que vous avez remarqué l'erreur dans le nom de notre copteur. Sinon, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le seul. Le nom du projet, Crazy Fly, est mal écrit. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois sur le projet et avions reçu notre premier prototype avant de le remarquer. Mais ce n'est pas une si mauvaise chose, puisque nous ne sommes les seuls à utiliser cette orthographe. Nous sommes en haut des résultats de recherche sur Google depuis le premier jour. Et nous n'avons pas su rivaliser avec d'autres marques qui ont la bonne orthographe. Alors, qu'est-ce que c'est le Crazy Fly? Le Crazy Fly est une plateforme de développement open source sous la forme d'un circuit imprimé volant. Nous avons passé notre temps libre pendant 4 ans à travailler dessus. Comme vous pouvez le voir, il tient de la paume de la main, mesure seulement 8 cm d'un moteur à l'autre et pèse environ 19 grammes. Aujourd'hui, nous allons commencer par parler de l'histoire du projet, puis nous continuerons avec une introduction sur le quadricopter en général. Nous allons bien sûr parler de la conception de Crazy Fly et aussi de notre communauté. Enfin, nous ferons quelques demandes pour certains de nos réalisations. Nous allons donc commencer avec une partie sur l'histoire du projet derrière le Crazy Fly. Cela a commencé à l'automne 2009, lorsque nous travaillons tous dans la même entreprise de conseil en Suède. Il y avait un groupe de compétences pour développer les compétences des ingénieurs dans l'entreprise. Nous étions tous les trois dans ce groupe. Lors des réunions, après le travail, nous avions parfois des invités, des conférenciers, et parfois nous présentions certains de nos projets personnels. L'avantage de ce groupe est que l'entreprise peut parrainer votre projet s'il est intéressant. L'entreprise paiera pour le matériel et vous donnera accès au laboratoire et aux outils de travail. En retour, le travail se fait sur notre temps libre. C'était très bien pour nous, car nous voulions faire un projet de toute façon et avions soudain un sponsor. La dernière chose à faire était de trouver une idée intéressante. D'abord, nous avons eu l'idée de faire un grand quadricopter. Puis, nous avons changé d'idée et décidé d'en faire un petit uniquement basé sur un circuit imprimé. La raison est que nous voulions avoir peu de mécanique, puisque nous ne sommes pas très bons dans ce domaine. Nous avons fait un budget pour l'achat du matériel et notre entreprise peut parrainer à hauteur de 1 000 euros, ce que nous avons trouvé super. Notre objectif était de faire voler un circuit imprimé, mais nous avons également décidé que nous voulions utiliser uniquement des outils open source pour toute la conception. Nous avons tous travaillé avec des outils propriétaires avant et nous voulions voir s'il était possible de faire un tel projet en utilisant uniquement des outils open source. Nous avons eu un premier prototype au bout de quelques mois de conception. Pour notre premier prototype, nous avons commandé sur le net une carte vierge et les composants séparément. Nous avons conçu le circuit imprimé de telle manière que tous les composants difficiles à monter soient sur le même côté. Vous pouvez comprendre la raison avec cette image. Notre plan était de souder les composants dans une poêle classique sur une petite plaque électrique. Ça a vraiment bien marché, mais nous n'aurions pas dû utiliser d'huile de cuisson. C'est très difficile de souder sur des surfaces huileuses.
Une fois l'électronique finie, nous nous sommes concentrés sur la mécanique. Nous avions trouvé et acheté plusieurs avions téléguidés sur Internet. Nous les avons apportés au laboratoire et démontés. Nous avons récupéré les moteurs, les hélices et les batteries. Et pour les premiers prototypes, nous avons juste collé les moteurs directement sur le circuit imprimé. Car ça nous a obligés à les recoller après chaque crash. Rappelez-vous que c'était avant que les imprimantes 3D soient monnaie courante. Aujourd'hui, nous aurions juste imprimé des supermoteurs. Petit à petit, nous avons développé les fonctionnalités dans le firmware. Et après plusieurs semaines frustrantes à débugger, nous avons réussi à voler. Et voilà, notre objectif, nous avions atteint notre objectif. Pour une fois, nous avions travaillé sur un projet qui a respecté son budget. Sur les 1 000 euros reçus, nous avons utilisé seulement 800 euros et compta l'achat de la poêle et de la plaque électrique. Donc, notre but était atteint. Nous avons tourné quelques vidéos de vol et avec le Crazy Fly et nous avons arrêté le développement. Après quelques mois, nous avons pensé que nous devions faire quelque chose avec la vidéo. Donc, nous avons posté la vidéo sur YouTube et envoyé des informations sur les projets à un blog que nous lisions. Ils ont finalement écrit un article à propos de notre projet. D'autres blogs plus connus ont reposté notre histoire et ont reçu de nombreux commentaires. Nous avons commencé à recevoir beaucoup de demandes pour acheter notre copter. Avec toute l'attention que nous recevions et les demandes d'achat du Crazy Fly, nous avons commencé à penser que nous devions faire quelque chose. Mais quoi? Ce n'était pas vraiment évident à l'époque. Nous pouvions faire quelque chose qui était industriel ou peut-être un jouet. Nous avons assez vite décidé de faire quelque chose qui était open source. Nous avons toujours aimé l'open source et nous l'utilisons souvent à la fois pour les matériels et les logiciels. Nous voulions que notre projet soit open source. Nous avons donc décidé de faire un kit open source cible pour les amateurs et les universités. L'idée était de fournir une plateforme dont les gens puissent tirer parti en ajoutant leur propre logiciel et matériel. Même si nous avions accès aux des outils propriétaires, nous avons pensé que pour faire une plateforme open source, nous devions continuer à développer en utilisant des outils open source. nous voulions que la communauté souhaite mesurer et étudier notre conception, de l'améliorer et également de la réutiliser pour leur propre projet. Nous avons donc décidé de relancer le développement. Cela signifie que nous devions revenir en arrière et regarder comment fabriquer en série notre plateforme. Tout d'abord, nous avions besoin de revoir la conception de l'électronique. Certains des composants que nous avions utilisés pour le premier prototype n'étaient plus vendus et certains d'entre eux avaient été mis à jour et améliorés. Ensuite, et ce fut le plus difficile, nous nous sommes occupés de l'approvisionnement de pièces mécaniques. Nous avions utilisé des pièces détachées trouvées sur les petits avions téléguidés, ce qui n'était évidemment pas possible à grande échelle. Nous avons dû trouver des fournisseurs pour les hélices, les batteries, les moteurs et les supermoteurs. La commande et le test de ces pièces
nous ont pris beaucoup de temps. Mais les pièces mécaniques ne répondaient pas à nos spécifications, même si elles étaient censées le faire. Au final, avec un peu de chance et de l'aide de la communauté, nous avons trouvé les moteurs, les hélices et les batteries. Les supports moteurs ont été spécialement conçus pour notre hélicoptère et son moulet. Après, nous avions besoin de trouver quelqu'un qui pourrait fabriquer le kit. Nous avions déjà eu des contacts avec Seed Studio, qui est un fabricant d'électronique open hardware basé à Shenzhen en Chine. Il s'occupe de la fabrication, de la vente et de l'expédition. C'était une excellente alternative pour nous, car nous faisions cela pendant notre temps libre et n'avions pas assez de temps pour nous occuper de tout. La dernière point était le financement de la fabrication. Nous n'avions aucune idée du nombre de kits que nous devions fabriquer. Et même si nous avions su combien en faire, nous n'aurions pas eu l'argent pour les fabriquer. Comme chaque lot prend environ 6 semaines à faire, nous savions que la production en grand nombre, c'est un long processus. Nous avons examiné les différentes solutions dans le crowdsourcing, avec par exemple Kickstarter ou Indiegogo. À cette époque, Kickstarter n'était pas disponible en Europe et Indiegogo n'était pas très axé sur la technologie. Puisque nous ne cherchions pas à financer le développement de Crazy Fly, mais uniquement sa fabrication, nous avons finalement choisi une approche différente. Pendant 3 semaines, nos clients ont pu précommander le kit. Ils ont dû les payer tout de suite, mais nous n'avions pas les capteurs en stock. Donc les clients ont eux-mêmes payé pour la production. Lorsque tout fut prêt pour la production, nous avons lancé le précommande. Et au bout de quelques semaines, nous étions vraiment heureux avec le résultat. Après avoir travaillé sur ce projet pendant près de 4 ans, sur notre temps libre, nous sommes très contents qu'il y ait maintenant des milliers de Crazy Fly volant partout dans le monde. Ils sont utilisés par les amateurs pour les plaisirs et le développement, et par les universités pour l'éducation et les projets de master. Lors de ce projet, nous avons appris beaucoup de choses, tant dans le domaine technique que pratique. Les plus grands leçons étaient sans doute combien il est difficile de préparer une production en série. Pour mettre cela en perspective, entre le moment où nous en avons eu l'idée jusqu'au moment où le premier prototype a volé, nous avons passé 6 mois à faire le développement. À partir du moment où nous avons décidé de faire un kit fabricable en série, jusqu'à ce qu'il soit disponible pour les utilisateurs, il a fallu plus de 2 ans de travail. Mais assez parlé de l'histoire, nous allons maintenant jeter un œil sur le fonctionnement des quadricopters. Merci. Donc, les quadricoptères ou quadrirotors ou quadcopter. Même Wikipédia ne s'accorde pas vraiment en fonction du temps sur le nom de ces appareils. Nous, on utilise quadcopter, donc je vais utiliser ça. Ils ont été très populaires dernièrement. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ils sont possibles. Ça a été les premières machines volantes, quasiment. Mais le développement récent dans les capteurs, les moteurs et les batteries rendent un quadcopter possible. Ils ont aussi tous les avantages d'un hélicoptère, mais sont un peu plus sûrs, parce que comme on a 4 rotors, il y a moins d'énergie dans chacun des rotors, donc quand finalement il se crache, il fait moins de dégâts au quadcopter et à ce sur quoi il s'est crashé. Donc c'est un avantage. Donc, comment vole-t-il? Le principe est plutôt simple. Il y a 4 hélices tournées vers le haut qui tournent dans le bon sens, donc les 4 hélices vont avoir tendance à tirer la plateforme vers le haut.
Si le copter penche dans un sens, ça va avoir tendance à le tirer dans ce sens-là, et donc on va commencer à avancer. L'avant et l'arrière est vraiment arbitraire. Comme souvent, ils sont symétriques, on a juste à choisir une hélice ou un côté pour l'avant. Et donc tout ce qu'on a à faire, c'est à réguler l'angle du copter dans le ciel, pour réguler là où il va. En aviation, on a trois angles. Donc en français, c'est roulis, lacet et tangage. Donc pitch rodeo en anglais. Le roulis, c'est quand on penche de gauche à droite. Le lacet, d'avant en arrière. Non, le tangage d'avant en arrière et le lacet quand on tourne sur soi-même. Donc pour le roulis et le tangage, c'est assez simple à piloter. Il suffit de réduire la vitesse d'un des moteurs et on va avoir tendance à pencher du côté de ce moteur-là. Pour le tangage, donc le yaw, c'est un peu plus compliqué. C'est la même chose qu'un hélicoptère classique va toujours avoir un rotor de queue, parce que faire tourner le rotor principal dans un sens va avoir tendance à faire tourner le corps de l'hélicoptère dans l'autre sens. Donc on a le même effet qui s'applique ici. C'est pour ça qu'on a deux paires qui tournent dans un sens et deux paires qui tournent dans l'autre sens. Donc en théorie, si les deux paires tournent à la même vitesse, l'hélicoptère va avoir tendance à ne pas tourner sur lui-même, et si une des paires tourne plus vite, il va avoir tendance à tourner. Donc on a découvert pendant le développement que c'était absolument pas stable, et qu'il faut... parce que la première fois qu'on a eu les moteurs qui tournaient, j'ai juste essayé de mettre tous les moteurs à la même vitesse. C'est une catastrophe, ça vole pas. Donc... pour le faire voler, il faut pouvoir mesurer l'angle et corriger l'angle. Pour mesurer un angle, généralement, on utilise un gyroscope. Donc, c'est ce qu'on utilise principalement. Dernièrement, la technologie a évolué et on a des gyroscopes MEMS. Donc, c'est des machines qui sont faites dans des circuits imprimés. Et l'avantage, c'est que c'est extrêmement petit, ça consomme rien et c'est pas cher. Parce que c'est utilisé partout, notamment dans tous les téléphones portables. Un des problèmes, c'est que ce genre de gyroscope ne mesure pas un angle, mais une vitesse angulaire. Il faut donc accumuler la vitesse angulaire pour pouvoir obtenir un angle. La mesure n'est pas stable dans le temps, donc au final, on obtient des... la mesure va avoir tendance à drifter, et donc on a d'énormes erreurs, et ça ne serait pas gérable. Donc c'est pour ça qu'on utilise un accéléromètre, qui lui mesure l'accélération. Donc l'accélération la plus courante, c'est la gravité. Et donc sur un grand moment, on va pouvoir mesurer la gravité. Évidemment, quand on bouge la plateforme, on va aussi mesurer l'accélération du copter. Mais si on accumule la mesure de l'accéléromètre sur un assez long moment, on a la gravité. Donc ça nous permet d'utiliser le gyroscope pour les mouvements rapides, l'accéléromètre pour les mouvements lents, et dans les faits, on utilise un filtre qu'on appelle... Sensor fusion en anglais, donc un filtre de fusion de capteurs, qui va nous permettre d'obtenir un capteur virtuel qui est bon pour les mouvements lents et les mouvements rapides, en fusionnant la mesure de l'accéléromètre et du gyroscope. Donc, maintenant qu'on est capable de mesurer la position de la plateforme et de la modifier avec les moteurs, La boucle de stabilisation d'un quadrirotor ressemble un petit peu à ça. Donc en bleu, on a les capteurs, donc gyroscope, accéléromètre. On peut aussi avoir un magnétomètre si on veut pouvoir garder sa position, donc le tangage, garder le tangage fixe par rapport au nord. On a le conditionnement de signaux. Un des problèmes, c'est qu'on a des moteurs très très proches des capteurs, donc ça vibre beaucoup. Donc il faut filtrer fortement les capteurs pour obtenir des mesures utilisables. La fusion de capteurs, qui est l'algorithme le plus compliqué dans un quadcopter. On s'imagine que le plus compliqué, ça va être de réguler l'orientation dans le ciel, mais en fait, le plus compliqué, c'est vraiment cette fusion de capteurs, donc obtenir une lecture propre de l'orientation. Et le contrôleur qui va prendre les commandes du pilote, l'angle voulu dans le ciel, et piloter les moteurs pour ramener le copter à l'angle voulu en mesurant les capteurs.
Donc, le Crazy Fly, qui est une autre implémentation du quadrirotor. C'est ce que cette image représente, ce que nos clients reçoivent quand ils achètent notre kit. Donc, les moteurs doivent être soudés pour l'instant. On travaille à résoudre ça. L'autonomie d'à peu près 6 à 8 minutes en fonction de comment on vole. Et la portée de la radio est à peu près de 50 à 80 mètres en extérieur. En intérieur, on peut voler dans n'importe quelle pièce en fait. Passer les murs, ça va être compliqué. La différence entre celui-là et la version qu'on a fait sur une poêle à frire, c'est que maintenant la radio est intégrée. Au début, on ne s'était pas embêté à faire les circuits imprimés pour la radio parce que c'était compliqué et que ce n'était pas le but. Le but, c'était de faire voler la plateforme. Et maintenant aussi, on a un chargeur USB. On avait mis un connecteur bizarre pour la charge, mais là, contrairement aux jouets qui, généralement, on doit enlever la batterie et aller chercher ailleurs, on a un port USB, donc on peut utiliser un chargeur de téléphone portable pour charger en 20 minutes. Donc, d'un point de vue matériel, ça ressemble sensiblement à ça. On a en bleu la gestion de l'alimentation, donc la batterie, le chargeur, et aussi la logique pour mettre en marche le copter. Mine de rien, il faut y penser. On a un processeur, 72 MHz et 20 kg de RAM, donc on n'a pas Java là-dedans. Pas encore, en tout cas. Les capteurs, 3 axes de gyroscope, 3 axes d'accéléromètre, donc c'est le minimum pour commencer à voler. On a aussi une version où on a rajouté un magnétomètre, qui n'est pas très utile à l'intérieur parce qu'il y a des champs magnétiques partout, donc on ne peut pas vraiment avoir le nord, mais à l'extérieur, ça permettrait de garder la plateforme stable et de connaître son orientation. Et un capteur de pression pour le contrôle d'altitude, qui marche relativement bien, puisqu'on peut réguler l'altitude à plus ou moins 15 cm, si personne n'ouvre la porte ou si l'air est stable. Le pilotage des moteurs, donc, qui est intégré à la carte aussi, donc les moteurs sont soudés directement à la carte, on n'a pas des cartes séparées pour les moteurs, radio 2,4 GHz, et enfin tous les signaux qu'on n'utilisait pas ailleurs, on les a tous routés sur un port d'extension, l'idée étant que comme ça il est possible d'accrocher d'autres matériels, d'autres capteurs, et donc de faire plus avec la plateforme. La radio, donc 2,4 GHz. On n'a pas utilisé Wi-Fi ou Bluetooth. Déjà, à l'époque, c'était assez gros, en surface sur la carte électronique. La partie en verte, là, c'est la communication. C'est la radio 2,4 GHz. Donc, c'est minuscule. On utilise des puces qui sont utilisées dans les souris sans fil, généralement, enfin majoritairement. Donc on a une portée de 50 à 80 mètres. Et un des grands avantages, c'est que comme on a développé notre propre radio, c'est assez simple à utiliser sur le PC. C'est-à-dire qu'on n'a pas toute la pile Bluetooth ou toute une pile IP pour le Wi-Fi. On peut facilement porter nos programmes sous Windows, Mac, Linux, Android ou ce qu'on veut à partir du moment où on a accès au port USB. Donc, comme j'ai dit, les quadricoptères sont assez récents. Et l'une des raisons, c'est qu'il y a des technologies récentes qui ont rendu leur réalisation possible. Et on a listé ici les technologies qui ont rendu le Crazy Fly possible, donc la création d'un tout petit quadcoptère possible. Et c'est notamment les moteurs. On utilise des moteurs à balai, mais c'est des moteurs qui s'appellent pager motors. C'est des moteurs qui sont utilisés dans les vibreurs de téléphone, notamment, juste un peu plus gros. Et ils sont pas chers, performants, et ça vibre pas. Quasiment, contrairement au moteur brushless qui vibre énormément. Les batteries, évidemment, entre autres grâce au téléphone portable. Sans les batteries lipo, ça ne pourrait pas voler, ça serait beaucoup, beaucoup trop lourd. Et les capteurs. Les premiers gyroscopes étaient énormes. Un gyroscope mécanique serait impossible à utiliser sur ce genre de plateforme volante. Donc le fait d'avoir des capteurs aussi petits, aussi légers et aussi peu chers, grâce au téléphone portable, qui en achète des masses, rend vraiment possible la création de petites machines volantes.
Quand on a commencé, on utilisait trois puces. On avait deux puces pour le gyroscope, une pour l'accéléromètre, pour les trois axes d'accéléromètre, et c'était des capteurs analogiques. Donc, il fallait faire l'acquisition nous-mêmes, et fallait, ça prenait pas mal de place. La version actuelle a une puce qui fait accéléromètre et gyroscope en digital, en numérique, pardon. Et là, on est en train de voir pour notre prochaine version en une puce qui fait 3 mm par 3 mm, qui a gyroscope, accéléromètre et magnétomètre. Donc, la technologie évolue vraiment très vite dans ce domaine. Et il y a vraiment de nouvelles possibilités intéressantes qui s'ouvrent. Donc, pendant la conception, on a eu plusieurs problèmes. Certains étaient prévus, comme par exemple les vibrations. On savait qu'en collant des moteurs directement sur la carte électronique qui avait les capteurs, on allait forcément avoir beaucoup de vibrations. Et donc là, les graphiques, c'est une mesure des capteurs, donc gyroscope, accéléromètre, quand les moteurs vont de 0 à 100%. Et le gyroscope va jusqu'à 40 degrés par seconde quand on est statique. Donc ils sont très lourdement filtrés avant de pouvoir être utilisables. Par contre, un truc dont on ne se doutait pas, c'est la difficulté de débugger la plateforme. On avait fini l'électronique, on avait fini la plupart du logiciel, en tout cas on croyait, et ça volait toujours pas. Et en fait, ça volait 2 secondes et ça se prenait une fenêtre. Donc pour débugger, c'était assez compliqué. Et donc on a passé 2 semaines frustrantes comme ça. Et un soir, on a eu l'idée de coller une paille sur le dessus du copter. Ce qui fait qu'on pouvait le garder sous la main, et quand il s'en allait, il avait tendance à se pencher dans une position où il revenait au milieu. C'était stable. Ce qui nous a permis de le faire voler plus de 2 secondes, et de voir qu'on avait un bug stupide dans la communication. C'est-à-dire que tous les algorithmes compliqués, la régulation, la fusion de capteurs, tout ça, ça marchait parfaitement. Mais on avait juste conversion d'octet en float, merci OC, qui était mal faite et qui faisait que ça ne volait pas. Et une fois qu'on avait corrigé ça, ça volait et on prenait nos premières vidéos des coptères qui volaient. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment gardé en tête, que débugger, c'est vraiment critique. Enfin, ça paraît évident, mais bon, c'est pas la première chose à laquelle on a pensé. Et maintenant, on a des systèmes, on a beaucoup travaillé pour avoir des systèmes pour simplement pouvoir écrire des paramètres dans le copter et récupérer des informations avec un système de log qu'on montrera tout à l'heure. Donc, le Crazy Fly fait partie d'un système. On utilise un PC pour le piloter, ce qui est un avantage et un inconvénient, mais l'avantage, c'est que comme c'est principalement une plateforme de développement, avoir un PC dans la boucle, c'est vraiment le plus facile pour pouvoir justement mesurer les capteurs, enregistrer et pouvoir travailler avec. Donc, on utilise une manette de jeu, une manette de PlayStation, c'est le mieux, connectée au PC. On a un client qui communique avec la radio et qui va envoyer les ordres, les angles en fait, lui directement des joysticks et envoyé au copter via notre radio. Le copter reçoit les angles, se stabilise dans les airs et va renvoyer de la télémétrie qu'on peut afficher sur ordinateur, enregistrer et étudier. On a aussi essayé de faire en sorte qu'on puisse piloter le copter sans ordinateur, parce que ça a quand même un intérêt. Et donc on a un programme Android. On peut brancher la radio sur un câble on the go sur le téléphone et piloter depuis un téléphone. La radio aussi comprend, on peut lui envoyer des signaux PPM, donc signaux d'émetteurs d'avions téléguidés classiques, pour utiliser sur des émetteurs. Et il y a certains émetteurs qui sont compatibles directement avec le Crazy Fly, donc là il n'y a même plus besoin ni d'ordinateur ni de notre radio. La plateforme de développement qu'on a créée autour du Crazy Fly comprend donc le Crazy Fly et son firmware, donc dont on a essayé de rendre le plus facile possible à modifier, modulariser, mettre des systèmes faciles pour communiquer avec le sol, puisque pendant qu'on travaillait dessus, on était chacun à travailler principalement chez nous,
Et donc, on obtenait des. Chacun faisait son truc dans son coin. Donc, il y en a qui voulaient des mesures de capteurs le plus vite possible, le plus efficacement possible. Et on obtenait des bouts de code qui étaient immaintenables et super spécialisés. Donc, maintenant, on a vraiment essayé de modulariser tout ça et de rendre. Le but étant que quelqu'un qui veut acheter sa propre fonctionnalité n'a pas à s'occuper de la communication et du débugage. C'est déjà fait. Et nous, en plus, quand on récupère le code derrière, si jamais il nous l'envoie, sera plus facile à intégrer. Sur le PC, on a un client qui communique avec tout ça, donc qui s'occupe du joystick, s'occupe aussi de récupérer toutes les données du copter et de pouvoir les enregistrer. Il est aussi modulaire et on a une librairie qui peut être utilisée sans interface graphique. La communauté a fait des clients en Java, Ruby, même JavaScript. Donc, comme c'est ouvert et que tous les protocoles sont documentés, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On a essayé de documenter du mieux possible. On a fait un wiki et donc chacun est le bienvenu pour améliorer la documentation là où ça doit être encore amélioré. Et on a créé une machine virtuelle. En fait, l'environnement de développement pour un système embarqué est généralement assez compliqué à installer. En tout cas, il ne vient pas par défaut parce qu'il faut les compilateurs spéciaux pour les processeurs qu'on utilise. Donc là, et loin de là, on a deux types de processeurs, un type dans le copter et un type dans la radio, plus tous les clients sur le PC. Donc on a une machine virtuelle qui contient Linux avec tout préinstallé et c'est le plus simple pour commencer à travailler. Donc on pense que c'est vraiment une très bonne façon d'avoir des gens qui commencent à travailler sur Crazy Fly. Il est aussi possible d'avoir des environnements de développement sous Windows, Linux et Mac. Plus facile sur Linux que sur les autres, mais c'est possible. Donc pendant le développement du Crazy Fly, on voulait vraiment communiquer sur le fait que c'était une plateforme de développement. Et on voulait s'amuser aussi. Donc on a essayé de faire le plus de hacks possible, le plus de choses possibles autour du Crazy Fly pour montrer que c'était une plateforme qui pouvait être étendue. Donc ce slide montre quelques-uns des hacks qu'on a fait. Donc on a une protection pour les moteurs qui permet de se taper les murs sans se crasher directement, ça rebondit. La semaine dernière, on a attaché ce qui s'appelle un NeoPixel Ring. C'est un anneau de LED multicolore qui peuvent être pilotés indépendamment. Donc il y a beaucoup de potentiel pour faire des effets sympas. On a juste commencé à développer pour ça. Ça, c'est une Leap Motion qu'on a ici. C'était un Kickstarter qui est une espèce d'appareil qui peut détecter la position de la main. Donc on peut faire voler le Crazy Fly avec, c'est assez sympa. Un chargeur sans fil. On a acheté un chargeur sans fil de téléphone portable, démonté, collé un bout sur le Crazy Fly et on peut atterrir sur le chargeur et pouvoir recharger. Donc si jamais on est assez bon pour pouvoir atterrir sur le chargeur, mais ça peut être automatique, on pourrait. Les caméras qu'on a utilisées pendant la keynote, on en a. Pour les caméras, ce qu'il est simple de faire actuellement, c'est soit on est des caméras numériques et on enregistre sur place, donc c'est ce qu'on a là, ça enregistre en 720p, soit on est analogique et on envoie en direct. Être numérique envoyé en direct, c'est encore un peu compliqué, il faut des gros processeurs. Donc c'est ce qu'on a utilisé pendant la keynote pour filmer l'arrivée des gens. On a un client Android qui marche notamment sur la Ouya, si on veut en faire quelque chose et voler dans son salon, c'est possible. C'est une console de jeu pour Android qui a été un Kickstarter aussi. On a expérimenté avec la Kinect, qui est un capteur de Xbox 3D, pour piloter le copter automatiquement par le PC. Donc faire basiquement ce que les chercheurs font dans leur labo avec des équipements super chers, pouvoir le faire à la maison. Donc là, l'idée, c'est qu'en le faisant bien, on peut le faire atterrir sur le chargeur automatiquement. Bon, bien sûr, ce qu'on a fait, c'était en un week-end et c'est pas encore assez bon pour ça. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer ce qu'il est possible. Et on a aussi créé une image de Raspberry Pi qui a été assez populaire. Donc ça permet de faire voler Crazy Fly sans avoir un PC à côté. C'est l'une des façons les plus faciles de faire voler Crazy Fly sans un PC. Mais depuis qu'on l'a vendu, la communauté aussi
a fait des choses. Et c'en est quelques-unes. On a un forum où les gens communiquent un peu sur ce qu'ils font. L'une des plus intéressantes, plus excitantes maintenant, c'est le premier, c'est Sentai, une compagnie américaine qui fait des petits capteurs basse résolution, très haute vitesse, qui permettent de repérer ce qu'il y a autour, un peu comme une souris sans fil, repérer les mouvements autour. Ils en ont installé 4 sur un Crazy Fly et ils arrivent à stabiliser le copter dans la pièce. Et ça marche tellement bien que la lumière des LED qu'on a sur le Crazy Fly sont suffisantes. Ils ont une démo où ils ont éteint la lumière de la pièce et ça se stabilise. Donc ça, on espère que ça va se démocratiser et qu'on va pouvoir l'utiliser plus tard parce que ça rend le Crazy Fly encore plus intéressant. Des commandes autonomes. Donc, comme tout est documenté, que la radio qu'on utilise est quand même assez courante, on peut acheter des breakout boards très facilement. On en a au moins 2. Il y a celui-là qui est vraiment une station au sol, qui donne les informations du Crazy Fly. Et en dessous, on a vu une vidéo de ça il y a 2 jours. Quelqu'un qui a fait un tout petit contrôleur miniature avec une Arduino, une batterie et une radio. Donc c'est assez cool à voir, il faudrait qu'on s'en fabrique une. C'est quelqu'un, ils se sont intéressés à essayer de faire une balle pour jouer. Donc apparemment, ils ont mis le Crazy Fly dans une balle de fil de fer. Et donc, ils peuvent taper dans le Crazy Fly et ça fait une balle qui retombe beaucoup plus lentement au sol. Donc ça peut être des usages intéressants. On n'y aurait pas pensé. Des loopings automatiques. Ça aussi, on a vu ça hier, des vidéos. Donc quelqu'un qui a fait... il double-clique sur la manette et ça fait un looping. On n'a pas encore essayé. Donc on ne peut pas faire la démo de ça, mais ça a l'air intéressant. Et enfin, on a Oliver, un étudiant allemand qui a fait beaucoup de boulot sur Crazy Fly. Il travaille dans un labo qui fait des études avec justement de computer vision, donc de l'imagerie, pouvoir repérer la pièce en 3D avec uniquement une caméra qui bouge. Et il a fait ce heads-up display, super cool, où il a une caméra sur le Crazy Fly et il affiche plein d'informations, un peu comme dans un avion de chasse. Donc ça nous permet de voir que nos capteurs sont plutôt bons parce que la ligne d'horizon reste sur l'horizon. Et il a aussi refait la Kinect, mais en version professionnelle, parce qu'il a, dans sa chambre d'étudiant, il a le copter avec la Kinect et il a juste des sliders, il peut bouger le copter en X, Y, Z, proprement. Donc c'est assez cool. Donc on a vraiment essayé de développer la communauté, ce qui n'est pas toujours évident, mais on a des clients partout dans le monde, parce que notre magasin principal, c'est Seed Studio, qui envoie gratuitement partout dans le monde, mais on a aussi pas mal de revendeurs, notamment en France, la Drone Shop, qui vend le Crazy Fly. On a monté un forum pour le support principalement, mais aussi pour discuter de tout ce que les gens veulent faire et font avec le copter. Et on a un blog où on essaye de poster tous les lundis. On avait une réunion copter. Quand on travaillait encore pour de vrai, on avait une réunion copter tous les lundis. Donc tous les lundis soirs, on se forçait à faire un blog post pour montrer qu'on était toujours vivant, qu'on était toujours là. Et c'est la raison de tous les hacks aussi. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on trouve quelque chose à poster. On a continué à faire ça. On pense que c'est intéressant parce qu'on a vu beaucoup de, notamment projets Kickstarter, choses comme ça, qui sont silencieux pour 6 mois, après un message, silencieux pour 6 mois. Et on sait que c'est assez frustrant. On l'a vécu de l'autre côté, en tout cas. Donc on pense que c'est vraiment très intéressant. Les logiciels open source, c'est quelques-uns qu'on a utilisés. Il y en a des très évidents, comme GCC pour le compilateur. Mécanique et électronique, on peut aussi utiliser de l'open source. Donc FreeCAD et KiCad, qui marchent plutôt pas mal. Et donc, c'est bon à savoir. Juste avec des logiciels open source, le soir, chez soi, on peut faire
un quadcoptère miniature. Donc c'est vraiment génial. Donc maintenant, les démos. Alors, voyons si ça marche. Donc ça, c'est le client. Vous voyez, on n'est pas des ingénieurs front-end. Et c'est une bonne chose. Non, pas celui-là. Donc, non, Marcus. Donc la radio a des canaux, beaucoup. Beaucoup de copters allumés. 99. Donc on peut voler, et une radio peut faire voler plusieurs copters. Donc c'est pas mal, il y a des chercheurs qui commencent à l'utiliser pour faire voler des swarms. Donc ce dont je parlais rapidement, on a les données qui arrivent au sol, les données des moteurs. Pas mal de données, toutes ces données-là peuvent être mesurées. Et afficher et enregistrer. Donc ça, c'est vraiment des trucs. Ça nous a pris énormément de temps parce qu'on ne sait pas faire ça, nous. Enfin, on ne savait pas faire ça. Mais on pense que c'est vraiment très important de pouvoir simplement commencer à travailler. Et là, bah, durant la conférence, j'ai essayé de faire des effets pour le ring de LED. Et donc, très rapidement, je peux juste, en quelques lignes, rajouter un paramètre qui est un int et qui s'appelle effet. J'ai des if, voilà, je teste l'effet, donc si c'est 1, 2, 3, c'est pas propre, mais ça marche. Et donc là, automatiquement, au sol, on l'a, on a juste à compiler le copter, programmer le copter, on l'a au sol. Et donc, c'est le genre de choses qui simplifie un peu la vie. Comme ça, on peut se concentrer à faire des choses compliquées. On n'a pas besoin de refaire les choses simples encore. Et on va. Voilà. Donc, parmi les choses, on a ça. Ça s'appelait Crazy Mode avant, où on peut c'était un petit peu tout. Donc maintenant, c'est là où je me crache. Yep, je l'ai fait. Next demo. Next demo. Merci. If it's supposed to be in French, you have to do the talking now. Oh, pardon. This is not covered by my paper, so. Non, mais il est bon. Hein. Il a juste fait du français à l'école, et il a travaillé énormément pour ça. Donc, c'est le Leap Motion qui est là. Ça détecte la main. C'est un Kickstarter qui a eu beaucoup de succès. Et donc, une des idées, c'était de mettre le Leap Motion devant l'écran et de faire une espèce de... ça détecte tous les doigts et l'orientation de la main. Et donc on a pu l'utiliser pour le copter. Et pareil, ce que Marcus a fait hier, il a utilisé mes paramètres. Et donc quand il plie le pouce, il passe au prochain effet sur les LED.
Et donc, ouais. Vous pouvez pas voir, c'est petit, mais c'est la caméra qu'on a utilisée pendant la keynote. Donc, hey. Ouais. C'est juste une caméra analogique qu'on a achetée sur Internet et qu'on a collée. Il y a un scotch double face sur le copter. Donc c'est aussi simple que ça. On connecte à la batterie aussi. Peut-être je l'ai un peu sous. Demo effect. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Il reste 4 minutes. Ok. Oh. Tobbe. Question. Jag växlar tillbaka så vi kan ta upp the last slide. Yeah. Tu as dit que ça faisait une vingtaine de grammes. Tu oui. rajoutes le ring, tu rajoutes la caméra, ça supporte combien en poids? Tel qu'il est actuellement, il supporte 5 à 10 grammes. Mais c'est plus dans les 5 grammes que 10 grammes. Celui qui a l'enregistreur, on a mis des moteurs un peu plus gros. On peut acheter des moteurs plus gros. Et là, on a réussi à porter un copter avec le copter. Donc au moins 20 grammes, ça marche. Bonjour. Y a pas eu, est-ce qu'il y a eu des projets de connexion avec un Oculus Rift pour le, et la caméra pour le... Avec un Oculus Rift, le casque. Ah oui. Non. Mais ça pourrait être intéressant. C'est question basique et pécuniaire. Ça coûte combien en fait? On a deux versions, une à 150 et une à 179 dollars. La différence, c'est les capteurs. La version chère a les capteurs d'altitude et des magnétomètres. C'est assez cher. Ça a peut-être déjà été dit, mais en termes d'autonomie, ça donne quoi? 6 à 8 minutes, dépendant de combien on met dessus et comment on vole. Et 20 minutes de chargement, ouais. Des idées d'évolution pour des vols autonomes ou pas? On y travaille un peu, il y en a qui travaillent, mais avec des caméras surtout. Sentai, c'est vraiment le plus prometteur pour ça. Si ça se développe, ça permettra, parce que ce qui serait vraiment génial, c'est de pouvoir programmer le copter en lui disant décolle de 30 cm, avance, tourne, avance, atterrit. Et pour ça, il faut se localiser dans la pièce, et Sentai, c'est vraiment la technologie qui devrait pouvoir faire ça. Tout à l'heure, vous parliez d'extérieur en intérieur. C'est, comme c'est très léger, en extérieur, il y a peu d'applications quand même, non? À part s'amuser, mais... Oui. Non, en fait, ça vole pas trop mal en extérieur. Ouais. Ça vole. Ça bouge un peu, mais ça vole. S'il y a trop de vent, ça fait un peu cerf-volant. Il faut toujours le faire venir. Avec les moteurs plus gros, avec les moteurs de 7 mm, ça vole vraiment très bien, étonnamment bien. On a un des hacks qu'on n'a pas montré.
On a installé un GPS dessus. Donc, il y aurait moyen. Au moins, c'est un challenge. S'amuser à voir s'il est possible de piloter une si petite plateforme avec le GPS. Donc, il y a beaucoup de compensation quand même pour, voilà. Pour le vent et tout ça. Mais le problème, c'est si le vent. C'est pour ça que ça marche très très bien avec les gros moteurs. Ça n'a aucune prise au vent, quasiment. Mais si le vent arrive à commencer à faire tourner la plateforme, là, elle va commencer à bouger. Donc avec des moteurs un petit peu plus gros, le vent n'arrive pas à la... Bon, un vent léger n'arrivera pas à faire tourner la plateforme, et donc c'est très très stable. D'autres questions ? Qu'est-ce que l'énorme truc sur le bureau là ? Pardon ? Qu'est-ce que l'énorme truc sur le bureau ? Apparemment, c'est une bombe Tesla. Ce n'est absolument pas dangereux. Voilà. Que nos voisins se sont amusés à mettre à côté de nous hier pour nous rassurer. Et ils l'ont mis là. C'était un échappatoire pour Marcus. S'il stressait trop, il touche, il tombe et je prends le relais. Bonjour. Est-ce que vous avez testé le maximum d'altitude atteignable ? Le faire monter pendant 6 non, minutes ? Non, on a eu peur de le tester au début parce qu'on avait actuellement, si la radio se coupe, une seconde après, le copter s'éteint. Oh. On ne l'avait pas au début et on s'est fait très très peur en testant dans des parcs où la radio se coupe, il garde l'ancienne commande et il commence à aller en haut. Donc le plus haut qu'on ait testé, c'est à peu près 15 mètres. Le problème, c'est qu'au-delà de ça, on ne le voit plus. Donc, donc après, peut-être qu'avec le GPS, il y aurait moyen. Il y a le GPS et la caméra de... Ouais, avec le GPS, il y aurait moyen de faire quelque chose. Ouais. Justement, pour revenir sur le GPS, donc, est-ce que c'est avec ça que vous êtes arrivé à atterrir sur le chargeur ? Et autre chose, est-ce que vous ne pourriez pas utiliser tout simplement le gyroscope et l'accéléromètre pour faire ce qui est l'équivalent de ce qui existe dans les avions, une centrale inertielle en fait, pour mesurer la position et faire du guidage par ce biais en fait. Ça serait très très peu précis en fait. On n'a pas réussi réellement à atterrir sur le chargeur encore. Le mieux qu'on puisse imaginer, c'est d'avoir une caméra qui régule, faire un peu comme un vaisseau spatial. Si on va dans la région, on appuie sur le bouton et ça autopilote. GPS ne serait pas assez précis. Et accumuler l'accéléromètre, il faudrait accumuler deux fois. Il faut accumuler une fois pour avoir la vitesse et une deuxième fois pour avoir la position. C'est fait pour la régulation d'altitude. On a une régulation d'altitude avec le capteur de pression. Et l'accéléromètre est utilisé pour les courtes périodes de temps. Et la pression est utilisée sur 3-4 secondes. Mais sur plus de 3-4 secondes, c'est... On est dehors, il y a vraiment trop de bruit et trop de problèmes sur les capteurs. Est-ce que c'est envisageable de mettre un sonar dessus ? S'il est assez léger, oui. Les petits sonars ultrasons qu'on a trouvés sont tous un peu lourds. On avait de l'espoir pour les capteurs MEMS, les microphones MEMS justement, mais ils vont pas dans les ultrasons. Mais... Ok, une petite dernière. Moi, je voudrais savoir quels sont les ordres qui lui sont donnés pour se déplacer. C'est des déplacements selon les coordonnées X, Y, Z, par exemple, ou des choses comme ça ? Non, actuellement, on lui envoie puissance des moteurs, pitch radio, roulis, tangage et l'autre. Lacet. Donc, on lui envoie les commandes de comment il doit se positionner dans les airs et la puissance des moteurs. Il faudrait d'autres capteurs pour pouvoir. Il faudrait des capteurs qui puissent le positionner dans la pièce pour pouvoir lui envoyer autre chose. Ok, merci. De toute façon, je crois que vous serez dans le coin s'il y a des questions supplémentaires. Oui, on reste voilà. Dans le coin.